Merci beaucoup. Thank you. Bonjour. Hello. Buongiorno. Bonjour. Guten Tag. Bonjour. Good morning. Bon matin. How are you, Subui? Comment allez-vous? I think that was all languages. So how are you doing today? Can Comment everybody... vous allez aujourd'hui? You took your dancing shoes on? Est-ce que vous avez mis vos souliers de danse? Huh? Tell your neighbor we have a birthday today. Dis à ton voisin aujourd'hui on a un anniversaire. Tell your neighbor happy birthday. Dis à ton voisin joyeux anniversaire. Happy birthday, Tim. Joyeux anniversaire, Johannes. Happy 10th anniversary, huh? Thank you so much. Oh my goodness. How many of you have I met before? Combien d'entre vous ai-je déjà rencontré une fois? Look at this. And who am I seeing for the first time today? Qu'est-ce que je vois aujourd'hui pour la première fois? Come on, wave at me. Where have you Faites been my whole life? Vous avez été où toute ma vie? Where have you been hiding? Vous êtes caché où? Good to see you. C'est bon de vous voir. And this is so amazing. Tim and Manu. C'est tellement magnifique. Majo, Tim, Babs. Manu, Majo, Babs. Roman, where are you? Sophia. Roman, Sophie. Thank you so much. Merci beaucoup. For leading this church. De conduire cette église. And hearing from God. Et d'entendre de la part de Dieu. And believing for the bigger. Et croire pour plus. We are so proud of you. On est tellement fiers and de today, vous. And today, all of the churches of SOS globally SOS, globalement, are celebrating the foundation of 10 years in Vienne, Switzerland. De 10 ans ici à Vienne. We are dancing with you all over the world. On danse avec vous dans le monde entier. All right? N'est-ce pas? Can you lean forward a little bit? I'm an African preacher. Est-ce que vous pouvez vous pencher un peu en avant? Moi, je suis you gotta give me africain. A little support here. Vous avez besoin de me soutenir un petit you peu. Know, you can't look like you were cut out of the mountains of Switzerland today. Vous pouvez pas être comme des sculptures right. taillées dans les montagnes suisses, d'accord? So this is so wonderful to be here. C'est bon d'être avec vous. And I have been asking the Holy Spirit for a word for you on the 10th year anniversary. Et j'ai vraiment demandé au Saint-Esprit une parole pour vous pour and ces 10 I ans. And I want to speak about the breaking of limitations. Et j'ai envie de parler du fait de vaincre toutes les limites. Can everyone say that together? Est-ce que tout le monde peut le dire? Vaincre toutes les limites. One more time. Come on, shout Encore it. Une fois, vaincre toutes les limites. So I think that this is a foundation. Moi, je crois que ça, c'est la fondation. And you have learned to break a lot of limitations during the way. Et vous avez déjà appris à vaincre beaucoup de limitations sur le chemin. And now we will break many, many more together. How Mais many of you believe that? Encore beaucoup d'autres ensemble, n'est-ce pas? Let me see. How many of you in here are bicycling? How many of you know Combien how to bicycle? Combien d'entre vous faites du vélo par ici? Okay, a few of you. Few of you. Quelques-uns. How many of you know how to swim? Combien d'entre vous savent nager? All right, a few of you. So there was a day when you couldn't bicycle, right? Il y avait un jour où vous saviez pas faire du vélo. Someone told you, probably a parent or a big sister, that you should jump up. Quelqu'un dans votre parenté, dans votre famille, vous a appris à le faire. And you broke the limitations, right? Et vous avez vaincu cette limite. There was a day when you couldn't swim. Il y a un jour où vous saviez pas nager. Someone was holding you under your belly. Quelqu'un vous tenait sous votre ventre. Told you to try. Et vous demandait d'essayer. And now you're swimming like a fish. Et maintenant vous nagez comme un poisson dans l'eau. Isn't it? N'est-ce pas? And that's how it is. Et c'est comme ça In que life, ça fonctionne dans la vie. We are always to break limitations. Dans la vie, il faut apprendre à vaincre. Learn new things, stretch, apprendre de nouvelles choses, go vaincre further. Les limites, avancer. And I believe this is such a Sunday. Et moi, je crois que ça c'est un de ces dimanches. I feel a lot of reverence for God this J'ai Sunday. Beaucoup de révérence dans mon cœur pour Dieu aujourd'hui. Because you see, the church is not something that belongs to us. Parce que regardez, l'église, c'est pas quelque chose qui nous appartient. It belongs to Jesus Christ. Ça appartient à Jésus-Christ. He's the head of the church. Il est la tête de l'église. And we are really just caretakers of God's flock. Et nous, on est seulement des gens qui prennent soin du troupeau and de Dieu. Pastors, et en tant que pasteur, that we make sure that you reach your c'est maximum. Important qu'on s'assure que vous atteignez votre maximum. How many of you know God has no maximums? Vous savez que Dieu n'a pas de maximum, n'est-ce pas? And probably there are very few maximums with you too. Peut-être qu'il y a aussi moins de maximum avec toi. Qu'est-ce que tu penses? Your potential. Mais il faut que tu atteignes ton potentiel. And everything that God has planned for you. Est-ce que Dieu a en réserve and pour a church toi? Should be a greenhouse, right? Et puis en fait, une église, ça devrait être comme une serre. Where you can grow up où tu peux as a grandir. Fragile plant. Au début comme une plante fragile, and then peut-être. All of a sudden you bear fruit. Mais tout d'un coup, tu portes du fruit. And everyone say, wow, what a tree. Et tout d'un coup, quelqu'un se dit, waouh, quel bel arbre. Et nous, on croit que peu importe d'où tu viens, You've qui que tu sois, tu es venu dans une serre, ici dans l'église SOS de Bienne. You're not remaining the same. On ne reste pas les mêmes. You are changing as you sit here today. Vous changez alors que vous And êtes assis ici aujourd'hui. Together, et chaque fois que vous revenez, something is happening with quelque you. Chose se passe avec vous.
Il y a plus de 30 ans, I came into a rehab center, moi-même j'ai été dans un centre de réhabilitation. A wasted young man. Comme un jeune homme dévasté. Some of you can't even believe it. Peut-être certains d'entre vous ne peuvent même pas le croire, mais c'est la réalité. I was a street boy. J'étais un garçon de rue. And I didn't believe in myself. Et je ne croyais pas en moi-même. Known for fighting and drinking. Je buvais, je me battais. And I was laying in that bed, in that rehab center. Et j'étais couché dans ce lit, dans ce centre and de réhabilitation. I was wondering what was going to become of my life. Et je me demandais qu'est-ce que ma vie allait devenir. Then they started reading the word of God with me. Et quelqu'un a commencé de lire la parole de Dieu avec moi. I was in the worship and in the prayer. J'ai passé du temps dans la prière et la louange. And I started hoping again. Et tout d'un coup, l'espérance est revenue. How many of you know how beautiful it is to hope again? Combien d'entre vous savez combien beau c'est d'espérer à nouveau? When you got nothing to live for. Quand tu n'as plus rien pour quoi vivre. And then hope stirs in your heart. Et tout d'un coup, l'espérance naît dans ton cœur. And hope was a little plant. Et en fait, cet espoir, c'était comme une petite plante. Mais c'est devenu comme une graine de foi. And I started believing in Jesus. Et j'ai commencé de croire en Jésus. I'm a first generation believer. Moi, je suis un croyant de première génération. But I believed in Jesus. Mais j'ai cru en Jésus. And Jesus transformed my life. Et Jésus a changé ma vie. And I want to say to everyone here today, et j'ai envie de dire aujourd'hui à tout le monde, if you just came out of courtesy together with a Christian friend, you know, out of. Maybe you came just out of courtesy to be polite. What is courtesy? Peut-être que tu es venu par politesse aujourd'hui avec un ami à l'église. And you just joined someone here, you know. Et puis tu as suivi because quelqu'un. Because they've been telling you for 6 months, you parce know. Ça fait 6 mois qu'ils te bassinent avec ça. I want to tell you, I don't think it is a coïncidence. Moi, je crois que c'est quand même pas une coïncidence que tu sois là. If you have no faith, no hope. Peut-être que tu n'as aucune foi, plus d'espoir. You are in a greenhouse today. Aujourd'hui, tu es dans une you're serre. You're in a place where we love you. Tu es dans une place où on we t'aime. We are in a place where everything can change. Dans un environnement où tout peut changer. We are in a place where Jesus is. Nous, dans un lieu où Jésus lui-même se trouve. You see, I always tell the atheists and the humanists. Et je dis toujours aux athées, aux humanistes. I always tell them, you know. Je leur dis toujours, vous savez. It's funny when you mock my God. C'est rigolo quand tu te moques de mon Dieu. Because what no psychologist could do. Parce que ce que ton psychologue ne peut pas faire. Are you here? Tu es là? What no university could do, he did. Ce qu'aucune université ne peut faire, il l'a fait pour moi. And I want to say that to you. Mais j'ai envie de vous le dire aujourd'hui. It doesn't matter how much of knowledge you gather. Peu importe la connaissance que tu as réunie dans ta vie, combien intelligent tu penses you être. You are created by God. Tu as été créé par and Dieu. And when you come into the things of God. Et quand tu viens dans les choses de something Dieu, will wake inside of quelque you. Chose va se réveiller something en toi. That you are created for. Parce que tu as été créé pour and cela. And I believe you have not reached your full potential. Et moi yet. Je crois que tu n'as pas encore atteint ton plein potentiel. Is there anyone in here that thinks that you have reached it, you are there now? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pense qu'il est déjà arrivé à son maximum? Ou est-ce que tu crois que Dieu il a encore un peu d'espace dans ta vie pour faire quelque chose? Combien d'entre vous sont prêts à laisser Dieu faire quelque chose dans leur vie? Combien d'entre vous ont vraiment faim de plus? So we're going to jump into the word of God. Alors on va aller dans la parole de Dieu ensemble. So can we share this bottle today? No, let us share it. Yes, let's do that. You know, the pandemic is over. The pandemic is over. Cheers to you. Look at that. Pandemic Cheers. Is over. We're just demonstrating it to you. La pandémie est terminée. On vous fait une petite démo. All right, are you guys ready? Vous êtes prêts? We are here to party today. On fait la fête aujourd'hui, n'est-ce pas? So go with me to Zechariah chapter 2. Viens avec moi dans Zacharie au chapitre 2. I'm glad I had a hat on. Je suis content que j'avais un chapeau. Timothée n'en avait pas lui. Guys, ready? Vous êtes prêts? Zechariah in the Old Testament. Zacharie, ça se trouve dans l'Ancien Testament. Chapter 2. Chapitre 2. How many of you know that as New Testament believers or New Covenant believers in Jesus, we can read an Old Testament text and apply it to our lives? Combien d'entre vous savez qu'en tant que chrétien né de nouveau, on peut lire un texte de l'Ancien Testament et l'appliquer à nos vies aujourd'hui? Some of you thinking, but isn't that written to the Jewish people? Mais certains d'entre vous vous dites, est-ce que ça n'a pas été écrit aux it Juifs? Yes, you're right. Bien sûr, c'est vrai, ça a été écrit aux Juifs. But according to Apostle Paul in Romans. Mais selon l'apôtre Paul et dans l'épître aux Romains. We have been grafted in as wild olive trees to the true olive tree, which is Israel. On a été greffé comme une branche sauvage sur le vrai olivier. And we are partakers of the promise to the people of God. Et aujourd'hui, on est participants aux promesses de Dieu pour ce peuple-là. So when we read Old Testament prophecies, alors quand on lit des prophéties de l'Ancien Testament, to the people of Israel.
qui ont été dites aux gens d'Israël, elles peuvent être appliquées dans nos vies aussi. And you see, God is a God of history. Dieu, c'est un Dieu d'histoire. So the way he has worked before, la façon dont il a travaillé avant, il va continuer de travailler aujourd'hui et demain. Isn't it? N'est-ce pas? He's a God bigger than our timeline. How many of you know that? Au-dessus de notre espace-temps. He's bigger than all of us and all of our history. Que nos histoires, que nos passés, que nous-mêmes. Et dans Zacharie, the first five verses, les premiers cinq versets, we have a vision. On voit une vision. It is the prophet seeing into the spiritual realm. C'est le prophète qui voit les choses du monde spirituel. Il voit des anges et des gens. And it is a pretty crazy story. C'est une histoire assez incroyable. We read from verse 1. On va lire depuis le verset 1. Zacharie dit, then I looked up. Je levai les yeux. And there before me was a man with a measuring line. Et voici, il y avait un homme tenant dans la main un cordeau pour mesurer. And I asked, where are you going? Je dis, où vas-tu? And he answered me. Il me dit, to measure Jerusalem to find out how wide and how long it is. Je vais mesurer Jérusalem pour voir de quelle largeur et quelle longueur elle doit être. And why the angel who was speaking to me was leaving. Et voici l'ange qui parlait avec moi s'avança. Another angel came to meet with him. Un autre ange vint à sa rencontre. And said to him. Et lui dit, I don't know if you're following now. Are you lost? Vous êtes là, vous êtes perdu? Zacharias is a vision. Zacharie, il a une vision. There's a guy with a measuring stick or a measuring line. Il y a un gars qui mesure. Right? An angel is speaking to the prophet. Il y a un ange qui parle au prophète. And now another angel comes along. Et là, il y a un autre ange qui vient. Is everyone following? Vous êtes là? And that angel says. Et cet ange l'a dit. Okay, here we go. Et on continue. We read. So he says, run, tell that young man. Et il dit, cours, parle à ce jeune homme. Jerusalem will be a city without walls. Jérusalem sera une ville ouverte. Because of the great number of people and animals in it. À cause de la multitude d'hommes et de bêtes qui seront au milieu d'elle. And I myself will be a wall around it. Je serai pour elle, dit l'Éternel, une muraille. Declares the Lord. Autour, tout autour. And et je serai sa gloire. I will be its glory within. Et je serai sa gloire au milieu d'elle. All right, we can stop right there. On peut s'arrêter ici. So there's a man that is trying to measure what God has done. Donc il y a un homme un ange qui essaie de mesurer ce que l'homme a fait. And what God is about to do. Et ce que Dieu va faire. And I'm here to tell you today. Et moi je suis là pour vous dire aujourd'hui. Just like that angel. Comme cet ange. Consider me an angel sent to Bien today. Considérez-moi comme un ange qui a été envoyé à Bien. And I'm calling to you. Et je vous dis. Hey, stop. Hey, arrêtez. Don't try to measure what God is up to. Essayez pas de mesurer ce que Dieu fait. Because it's too big. C'est trop grand. How many of you know that what God is up to is bigger than what can be measured by human standards? Qui d'entre vous sait que ce que Dieu fait est bien plus grand que ce qui peut être mesuré avec des standards humains? And I believe this word is going to land inside of you like a nuclear bomb. Et moi je crois que sa parole elle va atteindre vos cœurs comme une bombe nucléaire aujourd'hui. Can I preach like I preach in Africa today? Est-ce que je peux prêcher ici comme je prêche en Afrique? Est-ce que je peux devenir un peu fou? Écoutez-moi. What God is about to do in your life. Ce que Dieu est en train de faire dans votre vie. Can't be measured with a measuring ne stick. Peut pas être mesuré avec with a calculator. Avec un outil et une calculatrice. Can't be measured by human standards. Ne peut pas être mesuré avec des standards ou des so unités I'm humaines. An angel crying out. Je suis comme un ange qui crie. Go tell the people of SOS Church Bien. Allez et dites aux gens de SOS Bien. To stop trying to figure out what God is about to do. D'arrêter d'essayer de deviner ce que Dieu fait. Because he's going to blow your mind. Parce qu'il va exploser vos pensées. Right? God said to this man. Dieu a dit à cet homme. And he said to Zechariah. Et il dit à Zacharie. If that guy is trying to measure the walls of Jerusalem. Si ce gars il essaie de mesurer les murs de Jérusalem. See, he doesn't understand a thing. Il comprend rien en fait. Because the future city will be without walls. Parce que la ville future n'aura plus de murs. There will be so much people. Il y aura tellement de so gens. So much animals. Tellement d'animaux. That you can't put walls around it. Que tu peux plus mettre de murailles. And today I want to prophesy over SOS Church. Et aujourd'hui je veux prophétiser sur l'église SOS de Bien. Are you hearing me? Est-ce que vous m'entendez? You will be a church. Vous serez une église walls. Sans murs. All right? You Amen. Will be a church without walls. Une église sans murailles. I believe we are priests for those that don't go to church. Moi, je crois qu'on est des pasteurs pour ceux qui ne vont pas à l'église. We are not just pastoring a few hundred people in this little congregation. On n'est pas des pasteurs de seulement quelques petites centaines de personnes dans cette congrégation. You have been called to pastor a city. Vous êtes appelés à être des pasteurs d'une cité, d'une ville. You have been called to pastor a nation. Vous êtes appelés à être des pasteurs d'une nation. That's too big for some of you. Ouais, je sais que c'est trop grand pour certains d'entre vous. Okay, let's be satisfied with the city first. Et puis vous vous dites, ouais, soyons déjà contents avec notre ville. Soyons
côté. C'est un peu trop pour moi quand même. Okay, but let me explain to you. Laissez-moi vous expliquer. When I was a young man, quand j'étais un jeune homme et que je suis arrivé dans ce centre de réhabilitation, ils ont prophétisé des choses folles sur ma vie. You will speak to nations. Ils m'ont dit, tu vas parler à des nations. You will sit with presidents. Tu vas t'asseoir avec des présidents. And I was thinking, whoa. Et moi, je me suis dit, oh là, ça va ou bien? I never finished high school. J'ai même jamais fini le gymnase. I don't know how to speak English. Je ne sais même pas parler l'anglais. Are you here? Vous êtes là? And today I've met seven heads of states. Et aujourd'hui, j'ai déjà rencontré sept chefs d'État. And I've spoken on national television in, I think, 22 nations. J'ai parlé sur la télévision nationale dans 22 nations. Are you hear what I'm, vous entendez ce que je dis? So 30 years into it, 30 ans après, I understand, je comprends, that when God speaks a prophetic word, que quand Dieu prophétise quelque chose, I better listen, il vaut mieux écouter, because God might plant the seed inside of me. Parce que Dieu veut planter une semence dans ta vie qui est tellement plus grand que ce qu'on peut comprendre avec nos pensées. Et aujourd'hui, je suis venu vous dire, SOS bien, arrête, n'essaye pas de mesurer le futur que Dieu a pour toi. Ce sera une église sans mur. Les seuls murs que vous aurez, c'est le feu de Dieu autour de vous. Et Dieu sera la gloire au milieu d'elle. Une église n'est pas un bâtiment. Or it's not something that we construct. Vous savez, l'église c'est pas une maison ou un bâtiment, quelque chose que nous on construit. Have you heard a silly expression? We're building church together. Vous avez déjà entendu cette expression un peu bizarre? On construit l'église ensemble. Sounds nice, huh? Ça sonne bien, non? Sounds beautiful. C'est beau. Like wir basteln eine Kirche. Nous bricolons une église. Well, you are not here to basteln. Vous êtes pas là pour bricoler, it's n'est-ce pas? It's not Christmas, guys. C'est pas Noël. Are you here? We're not putting together a puzzle. On n'est pas en train de faire une espèce de puzzle. Oh, let's build a little cozy church. Faisons une petite église toute chou, toute mimi. Oh, no, mimi. You see, we were never called to build church. Non, on n'a jamais été appelé à construire l'église. We were called to make disciples. On a été appelé à faire des disciples. And Jesus says, et Jésus dit, I am je construirai mon église. Isn't that wonderful? Est-ce que c'est pas merveilleux? I am building my church. Je construis mon église. And the gates of Hades can do nothing et toute against la puissance de l'enfer ne pourra rien when contre Jesus celle-ci. Is building a church, Jésus construit une église. The devil can't do a thing about. Le diable ne peut rien faire contre isn't elle. Wonderful? Est-ce que ce n'est pas merveilleux? We read in the newspapers about preachers, on lit dans les journaux de prédicateurs that haven't been living up to the standard, qui n'ont pas répondu aux standards. We read about disasters in churches, on lit à propos de désastres dans les églises. But I'm here to tell you today, mais je suis là pour vous dire aujourd'hui that the church of God will stand, que l'église de Dieu continuera. Come on, somebody wave at me. Faites-moi signe si vous êtes là. Je suis là pour vous dire aujourd'hui que Jésus construit quelque chose qui n'a rien à voir avec des pasteurs. That's why I think it's absolutely possible to buy that building. C'est pour ça que je crois que c'est tout à fait possible d'acheter ce bâtiment là-bas. Because it's God's pocket. Parce que c'est la poche God's de Dieu. Wallet. It's God's c'est le porte-monnaie money. De Dieu. That's why I think it's absolutely possible. C'est pour ça que je crois que c'est absolument possible d'être pasteur d'une cité. Because God is building the church. Parce que c'est Dieu qui construit and l'église. Jesus is the head of the church. Et c'est Jésus la tête that's de l'église. Why I believe it's possible to pastor a nation. C'est pour ça que je crois que c'est possible d'être même pasteur d'une nation. Are you hearing me? Vous êtes it's là? Possible to impact the world. C'est possible d'impacter le monde. Because this is bigger than us. Parce que c'est plus grand que nous-mêmes. Tell your neighbor, get over yourself. Dis à ton voisin, je dirais, passe par-dessus. Get over yourself. Passe par-dessus. I mean, you're still thinking too much about yourself. Tu penses trop à toi, en fait. This is bigger than you. C'est plus grand que toi. I'm sorry, bro. Je suis désolé pour I'm toi. Sorry, sister, je suis désolé, ma sœur. This is bigger than mais you. C'est plus grand que toi. And some of the, I feel a little offended by that. Et puis certains se disent, oh, moi je suis un peu offensé avec ce que tu dis. Again, eh bien, redis-lui, passe par-dessus come ton offense. On, get over it. Passe par-dessus, allez. This is bigger than you. C'est plus grand ah, que toi. You can't talk to me like that. Et tu ne peux pas me parler comme ça quand well, même. You need to stop think about yourself arrête now. De penser à toi. Are you hearing me today? Et tu es là aujourd'hui? Tell that young man dis à ce jeune homme that what I will do que ce que je ferai so big you can't put the wall around it. Ce sera tellement grand que tu ne pourras pas mettre de mur and autour. I will do, et ce que moi je ferai my fire will protect. C'est mon feu qui and le protégera. What I will do, et ce que moi je ferai have my glory upon it. Il y aura ma gloire I qui sera sur cela. No moi je crois qu'il n'y a pas de maximum à ce que Dieu peut and faire if en Suisse. You believe that, et si tu crois cela you should shout hallelujah tu devrais right crier now. Alléluia maintenant. And you should clap with your hands et tu devrais right taper now. Des mains maintenant. And you should go nuts right now. Ah. Yes. Let's keep on reading. Are you guys ready? Est-ce qu'on peut continuer de lire? Vous êtes prêts? This is getting even more crazy. Ça vient encore plus fou, vous verrez. Ooh,
tell your neighbor, this is getting crazy. Dis à ton voisin, ça vient encore plus fou, dis-le. This is getting crazy. Ça vient fou. 1 Corinthiens, chapter 2, chapitre 2, verse 9 and 10. Versets 9 et 10. It's such a wonderful morning sharing saliva with you. C'est tellement magnifique de partager ma salive avec toi. Hallelujah, restrictions are over. Alléluia, les restrictions sont passées. Cheers, brother. Santé, mon frère. So, chapter 2, chapitre 2, au verset 9. This is what Paul says. C'est ce que Paul dit. However, mais, as it is written, comme il est écrit, what no eye has seen. Ce que l'œil n'a pas vu. What no ear has heard. Ce que l'oreille n'a pas entendu. What no human mind has conceived. Ce qui n'est pas monté au cœur ou à la pensée de l'homme. These are the things God has prepared. Voici les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. How many of you think God loves you? Combien d'entre vous pensez que Dieu l'aime, vous aime? A little bit. Un petit peu. A little bit. Un petit peu comme ça. Swiss are so shy. Les Suisses sont un peu timides, comme ça. How many of you think God loves you? Combien d'entre vous pensez que Dieu vous aime? All right. Do you think he has prepared something for you? Est-ce que vous pensez qu'il a quelque chose en réserve pour vous? Do you think he has prepared something for you? Est-ce que vous pensez qu'il a préparé quelque chose pour vous? So what has he prepared for you? Alors qu'est-ce qu'il a préparé? What no eye has seen. Ce que l'œil n'a pas vu. What no ear has heard. Ce qu'aucune oreille n'a entendu. What no human mind has conceived. Ce qu'aucune pensée n'a pu générer. I mean, we have conceived pretty wild things, haven't we? L'être humain a inventé des choses pas mal, n'est-ce pas? We've made airplanes. On a fait des avions. Spaceships. Des fusées. Isn't it? Huh? N'est-ce pas? We created computers. Des ordinateurs. Everyone is online. Huh? We have internet. On a internet. Isn't it? N'est-ce so pas? We have created some pretty amazing on a créé des things. Choses quand même pas mal, sérieusement. But now I'm talking about something that no mind has conceived. Et maintenant je parle de quelque chose qu'aucune pensée no n'a jamais inventé. No ear has ce qu'un heard. Œil n'a jamais vu, ce qu'aucune oreille n'a entendu. These are the things God has prepared for those that love him. Ça c'est les choses que Dieu a en réserve pour ceux qui l'aiment. Est-ce que c'est pas extraordinaire? So there's more to come, there's more to discover. Et il y a plus à découvrir. And it says here, et il est dit ici, 10, au verset 10. These are the things God has revealed to us by His Spirit. Or, c'est à nous que Dieu l'a révélé par Son Esprit. And the Spirit searches all things. Car l'Esprit examine tout. Even the deep things of God. Même les profondeurs so de Dieu. We are together like this in alors church, qu'on est aujourd'hui ensemble en tant qu'Église, we have another channel. On a un autre canal. All right? N'est-ce pas? Not just an intellectual channel. Pas seulement notre canal intellectuel. You've got to switch up your intellectual channel. Il faut que tu éteigne ton canal intellectuel et que tu mettes en route ton canal spirituel là où tu as contact avec Dieu. Et quand tu es en contact avec Dieu, ton cœur, en fait, on sait bien plus que ta tête. Combien d'entre vous savent que votre tête est au chemin des fois? Parce que dans ton cœur, tu dis oui, c'est possible. I don't know why, je ne sais pas pourquoi, but I like this. Mais j'aime ça. But then the head is coming in the way. Et là, il y a la tête qui vient en obstacle. Stop now. Arrête. Think this through. Repensez-y. You gotta be logic. Il faut que tu sois logique ici. This is not possible. C'est juste pas possible. So your head can be in the way. Ta tête peut être au chemin. You need to put your receiver on. Il faut que tu mettes un autre récepteur, channel, right? C'est-à-dire le canal du Saint-Esprit. Can you take that old radio and est-ce que tu peux prendre cette radio et la régler put un peu it in on the Holy Spirit channel? Et puis mettre sur la fréquence du Saint-Esprit, right? N'est-ce pas? Because there's something to receive. Parce qu'il y a quelque chose à recevoir. I think that the Holy Spirit wants to break our limitations. Moi, je crois que le Saint-Esprit veut vaincre nos limites, of briser mind, nos limites dans nos pensées, but also of culture. Mais aussi de notre culture. Some of you are saying in here because maybe you've been to Austria. Certains d'entre vous vous dites vous avez été en Autriche par you exemple. You don't come across very Austrian. Tu m'as pas l'air très autrichien, it's toi. Because I left that culture long ago. C'est parce que j'ai quitté cette culture il y a longtemps. I love the culture. J'aime la culture. But I'm not stuck in that culture. Mais je reste pas bloqué dans une culture. I'm a world citizen. Je suis un citoyen du monde. Are you here? Vous êtes là? Yeah, some of you are saying that's not my culture. Et puis certains d'entre vous dites mais ça c'est pas ma culture. I'm very sorry for you. Je suis désolé pour toi. Because if you are stuck in your culture, parce que si tu es coincé dans ta culture, there'll be a lot of things you will never experience. Il y a beaucoup de choses que tu vas jamais expérimenter. Are you here? Vous êtes là? If you always have that excuse, mais si tu as toujours cette excuse, it's not my culture. C'est pas ma culture. You are very limited. Tu es en fait très limité. God wants to break cultural limitations. Dieu veut briser les he limites de la culture. Intellectual limitations. Il veut vaincre les limites intellectuelles. And he also wants to break traditional limitations.
limitations. Et ils veulent briser aussi les limites culturelles. Some of you are constantly saying, well, that's not my church tradition. Et puis beaucoup d'entre vous vous dites ça c'est pas ma tradition d'église. That's not how I grew up. Ça c'est pas comment moi j'ai grandi. That's not how we did things. C'est pas comment nous on fait les choses. Well, get over it. Mais passe par-dessus. God is bigger than your church denomination. Dieu est plus grand que ta dénomination d'église. God is bigger than your background. Dieu est plus grand que ton passé. God is bigger than what you have experienced. Dieu est plus so far. Grand que tout ce que tu as expérimenté jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que tu es là aujourd'hui? I don't know. This is not me. Non, ça c'est pas moi, tu te Who dis. Has told you that? Qui t'a dit ça? Who has been lying to Qui you? T'a menti? I'm a shy person. Moi, je suis timide, moi. No, I don't dance. Non, moi, je danse pas. The girl said, and then when she started to et la fille, dance, elle disait, stop. Et tout d'un coup, quand elle a commencé à danser, elle ne pouvait plus s'arrêter. Are you getting what I'm saying? Vous entendez ce que je dis? No, I don't sing. I don't do non, that. Moi, je ne chante pas. Je ne fais pas ceci. Ce n'est pas moi, ça. Stop the nonsense. Arrête ce non-sens. God wants to stretch you. Dieu veut t'étendre. Break the limitations Il veut briser in your life. Ses limites. Tu ne vas jamais expérimenter de nouvelles choses si tu te laisses lié par les choses you du passé. That we can have limitations of Combien d'entre vous on peut avoir des, savent qu'on peut avoir des limitations dû à la culpabilité, right? And n'est-ce shame, pas? Et la honte. Like you feel like I don't deserve this. Oh, tu te dis, moi, je ne mérite pas ça. I don't think I'm pure enough. Moi, je crois que je ne suis pas assez pur. I don't think I'm good enough. Je crois que je ne suis pas assez bien. Is it only me that I thought like that? Est-ce qu'il n'y a que moi qui pense des fois ce genre de choses? Oh, my goodness, as a first-generation Christian, I think that thing goes through my head every day. Et en tant que première génération de chrétien, ça passe dans ma tête presque tous les jours. I'm not holy enough. Je ne suis pas assez saint. Why was I thinking like that again? Pourquoi je pense de nouveau à ça? What is this stuff? C'est quoi ces choses? Because I grew up with things. Parce que j'ai grandi But avec I'm ça. Not going to let my background hinder me. Mais je ne veux pas laisser mon passé me limiter. And so shouldn't you. Et toi non plus, you tu ne devrais let pas. Guilt hinder you? Tu devrais laisser or cette culpabilité derrière you? Toi ou cette honte. You should break free from all that. Tu devrais être libéré And de ces I choses. Think the Holy Spirit Et moi, can je crois that. Que le Saint-Esprit va faire the ça. Holy Spirit can turn us into people Saint-Esprit we are not. Peut nous transformer en quelqu'un qu'on n'est pas aujourd'hui. Let me say that again. Laissez-moi vous le dire. You will be a different person tu seras une personne différente 2 years from now than dans you are deux today. Ans que, tu, que ce que tu es aujourd'hui. When you look back, you will say, Who's that? Quand tu vas regarder en arrière, tu diras, c'était qui ça? My relatives brought some old photos in Austria. Mais ma parenté a amené des vieilles photos de l'Autriche. And I started laughing and said, Who's that? Et moi, j'ai regardé ces photos, je me suis dit, c'est qui ce gars? That's you. C'est toi, en fait. That's that girlfriend you had, Claudia, you remember. Et ça, c'était ta copine Claudia de it l'époque. Felt like it was on another planet. Et j'avais l'impression d'être sur une autre planète. Are you here? Vous êtes là? And by the way, Claudia has changed. Et en fait, Claudia elle a changé. I met her. Je l'ai rencontrée. I said, Is this you? J'ai dit, c'est vraiment toi? She said the same. Je suis la même. Your chest kind of fell down. Ta poitrine a un peu tombé. I said yours did too. Et puis lui, elle m'a dit la tienne aussi. Are you here? Vous êtes How là? Many of you know we change? Combien d'entre vous savez qu'on change? We change in the natural. On change dans le naturel. But then I told her you should see me on the inside. Et puis après, je lui ai dit tu devrais me voir à l'intérieur par contre. I'm limitless. J'ai plus aucune limite. I got no barriers. J'ai plus de barrières. I'm a wild man on my inside. Je suis un homme sauvage à l'intérieur. I travel the whole world. Je vais dans le monde entier. I've discovered so many new things about me and about God. J'ai découvert de tellement de nouvelles choses sur moi today? Et sur Dieu. Vous êtes là aujourd'hui? I'm telling you. Je vous le dis. When I came to Africa, quand je suis arrivé en Afrique, as a young missionary, comme un jeune missionnaire, 22 years old, il y a 22 ans, enfin, j'avais 22 ans, limitations were broken in my life. Des limitations ont été brisées dans ma vie. The first thing that happened, la première chose qui s'est passée, a week into me being in Africa, pour moi, être en Afrique, un viking, was a funeral. C'était en fait un enterrement. Mm-hmm. Where the man that had been dead for 4 days, c'est que l'homme qui était mort pendant 4 jours déjà, sat up, s'est levé. Are you here? Vous m'entendez? How many of you understand? Combien d'entre vous comprennent? Those things don't really happen. Ces choses normalement n'arrivent pas, n'est-ce pas? Yes, I've read about it in the Bible. Oui, je sais, j'ai lu de cela dans yes, la Bible. I've heard some stories. Ouais, j'ai entendu des histoires, c'est vrai. But this guy was alive again. Mais ce gars était à nouveau vivant. Are you hearing me? Vous m'entendez? The guy was smelling. Le gars, il sentait déjà. They had kept him on a table in the village. Il l'avait gardé sur une table dans le village. They didn't want to bury him. Ils voulaient pas l'enterrer. Because they believe when the missionaries are coming. Parce qu'ils se sont dit quand les missionnaires y viendront. Daddy will be resurrected. Papa, il sera ressuscité. And none of us had faith for that. Et aucun d'entre nous on avait la foi pour Except ça. The villagers. Sauf les villageois. And when they prayed. Et quand ils ont prié. Daddy sat up. Papa s'est assis. And said, I'm hungry. Et il a dit j'ai faim. I'm thirsty. J'ai soif. Ah!
How many of you understand? Combien d'entre vous comprenez that my head was spinning? Que ma tête, elle allait dans tous les sens. I was thinking, wow. Je me suis dit, wow. What Jesus lived, the book of Acts, ce que Jésus a fait, le livre des Actes. It's possible. C'est possible, you can en live fait. This. On peut le vivre. And as a 22-year-old, et comme un jeune de 22 my ans, mind was blown to a thousand pieces ma pensée, elle était en about mille morceaux what God can do sur ce que in Dieu peut time. Faire dans notre temps. And I believe the Holy Spirit is going to blow your mind et moi, je crois this. Que le Saint-Esprit aussi va exploser. Poser tes pensées again, encore again, et encore avec son miraculeux. I remember when we started taking faith projects. Je me souviens quand on a commencé de faire des pas de foi dans des projets. We stood in faith for $1,000. On avait la foi pour $1,000. And then it came. Et c'est venu. And then we stood in faith for bigger things. Et ensuite, on a eu de la foi pour plus. And then I remember one day, et je me souviens d'un jour when a businessman was calling from Norway, quand un businessman a appelé de Norvège. And he said, I want to donate $1.7 million. Et qui m'a dit, je veux vous donner $1.7 million. I said, can you repeat that? Je lui ai dit, est-ce que tu peux répéter? I thought there must be disturbance online. Je me suis dit, il doit y avoir des parasites sur la fréquence là. I'm putting over $1.7 million. Il a dit, je vous envoie en ce moment $1.7 million. You want to know what happened? Vous savez ce qui s'est passé? You don't want to know. This is a first generation believer. Non, vous avez pas envie de le savoir parce que je suis un chrétien de première génération. I cast. J'ai juré. You did. You didn't say hallelujah. T'as pas dit alléluia, Johannes? No, I cast. Non, j'ai juré. Oh. Oh. Ah. And then he said, did you really say that? Et le businessman m'a dit, t'as vraiment dit ce que tu viens de dire? Yeah, I did. I said, et j'ai dit, ouais, je viens de le you dire. Still want to give the 1.7? Tu veux toujours me donner $1.7 million? And you know what he said? Et c'est ce qu'il a dit? Even more now. Même plus encore. Are you here? Vous êtes là? And then I realized, et j'ai réalisé, there are no maximums. Il y a pas de maximum. To what God can do. De ce que Dieu peut faire. There are no maximums. Il y a pas de maximum. To what God can do. De ce que Dieu peut and faire. And I want to tell you this today. Laissez-moi vous dire. Don't limit God in your mind. Arrête de limiter Dieu dans don't tes pensées. Don't limit God in your culture. Ne limite pas Dieu dans ta culture, dans tes traditions. Don't limit God because you have guilt and shame. Ne limite pas Dieu parce que tu as de la culpabilité, de la honte you dans ta vie. Are the righteousness of God tu in es Christ la justice Jesus. De Dieu en Jésus-Christ. God looks upon you and loves you. Dieu te regarde et il t'aime. Alléluia. If it was possible for me, si it's possible for si you. Si c'est possible pour moi, c'est possible pour toi aussi. You know what the wonderful thing is listening to an ex-street boy? Tu sais ce qui est beau d'écouter un ancien garçon de rue? You can't beat me in sinning. Tu peux pas me battre en péché. It's very liberating. C'est vraiment libérateur. It's very freeing. C'est vraiment libérateur, non? Because you can all think if God could do it for a guy like that, si Dieu l'a fait pour un gars comme lui, well, I'm more holy than him. Moi, je suis déjà plus saint que lui, en fait. So if you believe in self-righteousness, alors, si tu crois dans ta propre justice, you should shout amen now. Tu devrais dire amen. Because if God could do it for me, parce que si Dieu l'a fait avec moi, it's probably 10 times more possible for you. Alors c'est 10 fois plus possible avec toi encore. Are you here? Vous êtes là? But here it is. Mais écoutez ça. I'm as righteous. Mais je suis aussi juste as a nun. Qu'une nonne. Hallelujah. Hallelujah. I am as virgin. Je suis aussi vierge. As a monk. Qu'un moine. Because when God looks at me, parce que quand Dieu me regarde, he sees nothing but Jesus. Il voit seulement Jésus dans and ma when vie. He looks at you, quand il te regarde, he toi, sees nothing but Jesus. Il voit que Jésus dans ta everything vie. Is possible. Tout est possible dans ta vie. And I believe et moi, je crois every wall is going to be broken tous les murs vont s'abattre because you love God. Parce que tu aimes Dieu. And God has prepared things for you et Dieu a préparé des choses pour so toi big and so qui sont tellement grandes et tellement you immenses cannot measure them. Que tu ne peux pas les mesurer toi-même. I know I've told this story before in je sais que j'ai déjà raconté cette histoire but I love the story so much. Mais laissez-moi la raconter, can je l'aime tellement. Me if I tell an old story? Et vous êtes d'accord que je vous raconte encore une fois une histoire? Just smile like you've never heard it. Souriez-moi comme si vous l'aviez jamais entendu. You know, people that are 50 years old, they tell stories that you've vous savez, heard les gens qui ont 50 ans, ils racontent des histoires que vous avez déjà entendues 50 fois. Gets worse. Et puis ça s'empire avec le I temps. Remember my father. Je me souviens de mon père. Oh my goodness. Aïe, aïe, aïe. I've heard every story. J'avais entendu toutes but les histoires. Told them with so much passion. Mais il les racontait avec tellement de passion. I loved it every time. Je l'aimais chaque fois. But it was the little elephant baby. Mais c'était un petit bébé éléphant from the jungle. Qui a été pris d'une jungle, putting into captivity, a été mis en captivité, and they put a chain around his ankle. Et ils ont mis une chaîne à son pied. And he learned et il a appris to move around the chain de tourner autour de sa chaîne to which it was anchored to a pole.
parce qu'elle était attachée à un if poteau. He jerked too much, s'il bougeait trop, he got blisters on his skin. Ça voudrait même le blesser sur sa peau. Il allait même saigner. So he learned, alors il a appris. This is my area. Ça, c'est ma zone ici. This is where I can move. Ça, c'est ici que j'ai que and je he peux was bouger. Brainwashed, et il a vécu un lavage if de cerveau. Move any further, et puis, il when connaissait I have pas plus. Resistance on my skin, il savait que quand il y a une résistance sur ma peau, I will bleed and hurt myself. Je vais saigner, je vais me faire mal. The elephant grew up. Et cet éléphant a grandi. Became humongous. Il est devenu immense. And now they didn't even have to put the chain around his feet. Et ils n'ont même plus besoin de mettre une chaîne à ses pieds. They just put a little cotton thread. Ils ont juste mis une petite ficelle. And anchored it to the pole. Et puis ils l'attachaient au poteau. But the elephant felt something on his skin. Mais l'éléphant, il sentait quelque chose sur sa peau. And didn't move any farther et puis il n'allait pas plus loin que là où la ficelle lui permettait d'aller. Are you here? Vous entendez? Today I'm here to expose the devil. Aujourd'hui, je suis là pour démasquer le diable. You are big. Tu es grand. You are much bigger than you think. Tu es plus grand que ce que tu penses. And what you feel et ce que tu ressens is a cotton thread. C'est une ficelle de coton. Are you here? Vous êtes what là? You feel ce que toi, tu in ressens your mind, dans tes pensées. I can't. Moi, je it's peux not pas. Possible. Oh, tu dis, it's je not peux me. Pas. C'est pas moi, c'est it's impossible. Because you've been limited. C'est parce que tu as été limité from before. Avant déjà. Mm-hmm. And listen, écoutez-moi. That elephant could have walked out any time cet éléphant, he wanted. Il aurait pu partir quand il voulait. And so can you. Et toi aussi, tu le peux. You just take off. Toi, tu décolles maintenant. And you take both the pole and the cotton thread. Et tu prends la ficelle et le poteau avec toi. You drag it all over the village. Et tu fais traverser le village pour tout le monde. You drag it all over. Tu le tires avec because toi. Because that's who you are. Parce que c'est qui tu es. And I'm here to tell you. Et je suis là pour te dire. That with Jesus. Qu'avec Jésus, you're a giant. Tu es un géant. Il n'y a rien que tu ne puisses faire. And you can't be limited in your mind anymore. Tu peux ne sois plus limité dans tes pensées. I really want to speak this into the church. J'ai envie de today. Parler ça dans l'église aujourd'hui. You écoutez bien. This building, tu vous prendrez ce bâtiment. And you will take another building, et ensuite, vous en prendrez un autre. Then you will take another building, et ensuite, encore un supplémentaire. You planted in Fribourg, vous avez implanté à Fribourg. But you will plant in many other cities, et vous implanterez dans beaucoup d'autres you villes will plant encore. In France, en France également. You will plant in Italy, vous implanterez you en will Italie. Plant in Portugal vous implanterez Spain, en Portugal, en Espagne. You will invade South Europe for Jesus. Vous allez envahir le sud de l'Europe pour Jésus. Vous êtes là? There will be thousands and thousands. Des milliers et des milliers et des milliers de disciples de Jésus-Christ. Et puis l'argent viendra dans la nation de Rolex, dans la nation de fromage et de la raclette. L'argent viendra comme jamais auparavant. Toutes les banques suisses appartiennent à Dieu. Amen. Faisons un transfert. Ce sera juste un transfert. It's easy to get stuck in your mind. C'est facile d'être bloqué dans about tes pensées. How God have done things before. Sur comment Dieu a fait les choses par le passé. And should be working. Et comment il devrait faire les choses. But I'm here to tell you today. Mais je suis là pour te dire aujourd'hui. You'll be a church without walls. Vous serez une église sans murailles. When it comes to people. Quand il s'agira des gens. Also when it comes to ideas. Quand il s'agira d'idées. You will be creative. Vous serez créatif. Huh? Innovative. Innovatif. Yes, you will come up with inventions. Avec vous ferez des inventions. You will come up with new ways of reaching people. Avec des nouvelles façons créatives d'atteindre les gens. With completely new experiences. Avec des nouvelles expériences. In God. En Dieu. Stuff that has not been done. Des choses qui n'ont pas été faites. Hallelujah. Hallelujah. Stuff that has not been seen. Des choses qui n'ont pas été vues. That's you. C'est vous. And I'm prophesying this over you. You see. I'm so privileged to be your spiritual father. J'ai tellement de chance d'être votre papa spirituel quelque part et j'ai envie de prophétiser sur vous et je vous dis, I believe in you, je crois en vous. Probably a little bit more than you believe in yourself. Je crois sûrement plus en vous que ce que vous croyez en vous-même. I believe in you like crazy. Je crois en vous comme un fou. You know what I've told my children? Vous savez ce que j'ai dit à mes enfants? I got two biological and two foster kids. J'ai deux enfants, je veux dire, avec ma femme, et j'ai aussi adopté deux enfants. J'ai toutes les couleurs du monde dans ma famille. One black son, un fils qui est noir. One Asian son, un asiatique. And two little milky ones. Et puis deux petits blancs. And then they are married to Latin Americans. Et ils sont mariés à des Latino-Américains. Oh my goodness. Oui. And from the United States. Et des Américains. Now we are telling my son he needs to marry an Australian. Now on a dit à notre fils qu'il devait marier une Australienne. Then we got all the continents. Comme ça, on a tous les continents dans la maison. In my family. Dans ma famille. But I tell my kids all mais je dis à mes enfants tout le when temps. When they tell me I can't. Quand ils me disent j'y arrive now pas. They are adults. On est des adultes maintenant. This is what I tell them. Voici ce que je leur dis. Jonathan. Jonathan. Look at me. Regarde-moi. Ressa.
Reza, look at me. Regarde-moi. Alicia, Alicia, Adam, look at me. Adam, regardez-moi. This father up there, ce père là-haut, and your father down here, et ce père ici-bas, we have already decided, on a déjà décidé, together, ensemble, and we are in majority, et puis on a la majorité, that what you are saying right now is nonsense. Que ce que tu dis maintenant, c'est un non-sens. We don't believe you. On te croit pas. There's nothing you can't do. Il y a rien que tu ne puisses faire. You can achieve whatever you want. Tu peux achever tout ce there que tu veux. There are no limits. Il y a pas de limites. In my family, there are no limits. Dans ma famille, il y a pas de limites. I never laugh at their visions. Je ne rigole jamais de leurs visions. I remember when Reza came home. Parce que je me souviens quand Reza, mon fils, il est venu. And he was in love with the prettiest church, with the prettiest girl in the whole church. Il était amoureux de la plus belle fille dans l'église. And he told me. Et il m'a dit, I'm going to marry that girl. Je vais marier cette fille. And that was the first time. Et c'était la première fois. That I felt like no way. et la première fois, je me suis dit jamais. You're out of your league. Elle est pas dans ta ligue. But then he said, quick. Après, il m'a dit très rapidement. I don't know if he saw a little twinkle in my eyes. Je sais pas s'il a vu une hésitation dans mes so yeux. So he said, quick. Alors, il m'a dit rapidement. You know that Bible study you had with us? Tu sais cette étude biblique que tu as eue avec nous? That with God, all things are possible. Avec Dieu, tout est possible. I said, yeah. J'ai dit, oui, je me souviens. That's kind of the word I'm standing upon. Ça, c'est la parole sur laquelle je me tiens. I said, yeah. J'ai dit, ouais, ok. And you'll need it, son. Et tu en auras vraiment besoin. Stand upon that word. Reste sur cette parole. And he married the girl. Et il a marié cette fille. He married the girl. Are you here? Vous êtes là? Some of you thinking now that was the word for today. Et vous dites, ah, ça c'était la parole du jour. Some of you thinking, I take that one. Moi je prends cette parole là, ça c'est la mienne. I take that word right now. Celle-là c'est la mienne. That girl is mine. Cette fille c'est la mienne. All right. Okay. I'm going to land, I promise you. Je vais bientôt arrêter, je vous le promets. Are you enjoying this? Est-ce que vous passez un bon moment? Am I doing a good work? Est-ce que je travaille bien là? Try to wash your feet, encourage you. Juste de laver vos pieds puis de vous encourager. Can you feel the love? Est-ce que vous sentez l'amour? Yeah, I'm going to land. Je vais atterrir bientôt. But I have this thing that I always try to tell people. And mais il y a cette chose que je dis toujours aux gens. I know I touched it when I was here the last time. Je sais que j'en ai parlé un petit peu la dernière fois que j'étais là. Mais voici ce que some c'est. Some of you think you're handicapped in different things. Certains d'entre vous pensez que vous êtes handicapé à certains niveaux. Your handicap can be your greatest blessing. Mais ton handicap peut être ta plus grande bénédiction. You hearing me? Vous m'entendez? Yeah, that's the problem with us, you know. C'est ça le problème que nous on we a. We think we are handicapped in an area. On pense qu'on est handicapé dans un domaine my de notre vie. My handicaps. Mon handicap have been my greatest blessings. Sont devenus mes plus grandes bénédictions dans once ma vie. I was sitting with the president. Une fois j'étais assis avec un président. A foreign minister. Et puis le ministre de l'extérieur de ce and pays-là. Some high animals in a nation. Et puis quelques-uns des plus importants de la nation. And all of a sudden I hear myself tell a story. Et tout d'un coup, je m'entends raconter une histoire. About how we were giving beers to a goat when we were kids. Comment quand j'étais petit, on donnait de la bière à nos chèvres. And how we got that goat drunk in Austria. Et puis que cette chèvre autrichienne, elle était saoule. And I was laughing about my own thing. Et moi, je rigolais de mon propre gag. And I was telling the story. Et je racontais l'histoire. And it became very quiet. Et tout d'un coup, c'est devenu très silencieux. In German, we call it Tierquälerei. De l'allemand, si c'est traduit, on peut appeler ça de la torture d'animal. So he was like, what is he talking about? Qu'est-ce qu'il est en train de raconter? And I was laughing to tears. Et moi, je rigolais aux larmes. And then I was thinking, man, I am dysfunctional. Et là, je me suis dit, surtout que je me suis dit, purée, moi, je dysfonctionne vraiment. Man, I'm really a mess up. Moi, je suis vraiment complètement en désordre. That came out of my backbone. I thought it was a fun joke. C'est venu comme ça. Je pensais que c'était rigolo de raconter ça. I walked out of the meeting. Et je suis sorti du meeting. Called my wife. J'ai appelé ma femme. My wife said, how did it go? Et ma femme m'a dit, comment ça allait? I said, baby, you won't believe it. Chérie, tu vas pas le croire. But I'm impossible. Je suis juste impossible. I ended up telling the story about how we got that goat drunk when we were je me suis surpris à raconter au président comment on a saoulé une chèvre. And she said, you did not. Elle m'a dit, mais t'as pas fait ça quand même. I said, I did. Et je dis, oui, j'ai vraiment fait. And then I went into my hotel room. Et ensuite, je suis allé dans ma chambre d'hôtel. Thinking like this. Et je me suis dit, Mr. President. Monsieur Président. Mr. Prime Minister. Monsieur le Premier Ministre. Take it or leave it. Prenez-le ou laissez-le. I can't do better than je this. Peux pas faire mieux que ça, en fait. And you know what happened? Vous savez ce qui s'est passé? The phone rang. Il y a le téléphone qui the a sonné. Prime Minister was on the phone. Le premier ministre était au téléphone. He said, we've been laughing in the car the whole way to the...
Et il m'a dit, tu sais quoi, on a rigolé tout le voyage jusqu'à la maison dans la voiture sur ton gag. Quel prédicateur raconte ce genre d'histoire? Tu es un homme fou. The president is still wiping his tears. Le président est en train de s'essuyer les larmes tellement said, il a ri. That guy's crazy. Il s'est dit, ce gars, il est fou. Et il a dit, we love you. On t'aime. We freaking love you. On t'aime tellement. Voilà. Ta-da. My handicaps. Mon handicap. Came in pretty handy in God's work. Est devenu en fait vraiment pratique dans les mains de Dieu. Are you getting it? Vous comprenez when you're ça? Picking your nose, you know. Vous savez quand vous graillez le nez. When you're farting in the car. Quand vous pétez dans la voiture. You promised yourself you shouldn't fart. Et puis vous vous êtes promis de plus le faire. And you're sitting with a business partner. Et puis vous êtes avec un partenaire business. And he has to roll down the window. Et puis que lui-même il doit ouvrir la fenêtre. You think it is a disaster. Et vous pensez que c'est un désastre. There will be no deal. Vous êtes dit qu'il n'y aura pas de deal, il n'y aura pas de signature that là. Might be the icebreaker you en need. Fait c'est peut-être le brise-glace dont tu avais besoin. God will use your handicaps. Dieu va utiliser God tes handicaps. Will use the curses. Dieu va utiliser les malédictions. Nehemiah says. Nehemiah a dit that our God que mon Dieu turns curses into transforme blessings. Les malédictions en bénédictions. Hallelujah. And our handicaps et nos handicaps can be our greatest assets. Seront nos plus grandes forces. Are you hearing me? Vous êtes là aujourd'hui? God is good. Dieu est bon. He knows. Il connaît. Who he picked. Il sait qui il a choisi. When he picked you. Quand il t'a choisi toi. He knew the risk. Il connaissait les risques. I'm telling him so often. Je lui dis tellement souvent. This is your pick. C'est toi qui as choisi, hein. Sorry. Je suis désolé, hein. This is what it is. C'est voilà, je suis comme je suis. And he says, I know. Et il me dit, je sais. I took the risk. C'est moi qui ai pris le risque. And I love the ride. Et j'aime l'aventure. Amen. God can make amazing things in your life. You don't Dieu have peut to faire be des perfect. Choses extraordinaires dans ta vie. Tu n'as pas besoin d'être parfait. He's a God of grace. Il est un Dieu de grâce. He's a God that covers you. Il est un Dieu qui te He's couvre. A God that makes you look better than you Il est un Dieu are. Qui te fait paraître meilleur que ce que tu es. And today, every limitations are broken Et aujourd'hui, in this toutes room. Les limites sont brisées. Why? Pourquoi? Because if I'm your spiritual father, parce que moi et mon père spirituel, et ton père spirituel, voici l'équation. Me and the big guy upstairs, moi et le grand gars là-haut, we have decided on a décidé that there's nothing you can't do. Qu'il n'y a rien que tu ne puisses faire. End of story. Fin de l'histoire. I will throw you in the water and you will swim. Je vais te jeter dans l'eau et tu nageras. I will get you on that bicycle and you will bicycle. Je te mettrai sur ce vélo et tu pédaleras. You are going to make it. Tu vas réussir. Here is my faith declaration. Voici for ma déclaration SOS de foi Church, sur l'église SOS de Bienne. You are going to explode. Vous allez exploser. There is going to be no limits. Il y aura pas de limites God is about à ce que to do. Dieu va faire. There are no lids in the kingdom of God. Il n'y a pas de couvercle dans le royaume There de Dieu. Is no maximums to what God Il n'y a to pas do de maximum à ce que Dieu veut faire de ta vie. He loves you. Il t'aime. He is for you. Il est pour toi. And I am for you. Et moi aussi je suis And pour we vous. Are majority, Et nous baby. Sommes la majorité, baby. This is the funny thing. C'est ça qui est drôle. My four kids once said to me and Maria. Mes quatre enfants m'ont dit une fois à moi et à mon épouse Maria. We are kind of majority. En fait, c'est nous la majorité. Regarde, on est quatre. I said, yeah. Uh-huh. If it was the government. Si c'était le gouvernement, oui. But this is a family. Mais ça, c'est une famille ici. No majority decisions. Il y a pas de décision à la majorité ici. Me and Mama. Moi et maman. Are always worth 10 times of you. Nos décisions, elles valent toujours 10 fois les vôtres encore. Are you hearing me now? Vous m'entendez? We make this call. Et nous, on fait cet appel. And today I'm telling you, et moi, je vous le dis aujourd'hui. If you're part of the SOS family globally, si vous faites partie de la famille SOS globale, you are going to go and reach your potential. On va vous amener à atteindre votre potentiel. You are going to break out of guilt and shame. Tu vas quitter la culpabilité, This la honte. This is my faith declaration. C'est ma déclaration de foi. You are right here now. Tu es à la bonne place ici. You are in our living room. Tu es dans notre salon. You are in our family. Tu es dans notre famille. You will not remain the same. Tu ne resteras pas le même. You will go and reach your full potential. Tu vas atteindre ton you plein are potentiel. Going to break limitations tu vas briser all the time. Les limites avec le you temps. Are going to the next level. Tu vas aller au prochain level. In miraculous. Dans le miraculeux. In finance. Dans les finances. In health. Dans la santé. In life quality. Dans la qualité de are vie. You hearing me?
Vous m'entendez? Oh my goodness, you will laugh more than you've ever laughed. Vous allez rigoler plus que ce que vous avez jamais ri. Vous allez profiter de la vie comme vous l'avez jamais fait. I have decided that. J'ai décidé ça. In the name of Jesus Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. I have decided. J'ai décidé. That about this family. Que cette famille. That we are a wild, crazy family without limitations. Une famille sauvage sans limite. Amen. Amen. We are a bunch of mess ups. Même si on est un petit peu en désordre. Are you hearing me? A bunch of people that they carried into the kingdom of God. Sorry? A bunch of people that they carried into the kingdom of God. Même si on est des gens qu'on a dû traîner jusque dans le royaume de Dieu. I was so drunk when I came into that center. Je suis arrivé saoul dans ce centre de réhabilitation. They carried me from the car. Ils m'ont porté depuis la voiture. And here am I standing. Et regardez Jesus ici, je suis devant vous aujourd'hui. Come on, somebody. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là aujourd'hui? And even if we have to carry you into the church. Et même si on doit te tirer dans l'église. You're gone, you're wasted. Et même si tu as l'impression que tu es détruit, when you come out, quand tu vas sortir de là, tu vas changer le monde. That's what I believe. C'est Let's ce que je crois. Est-ce qu'on peut tous se lever? Stand up on our feet. Est-ce qu'on peut tous se lever? Est-ce qu'on peut avoir le groupe de louanges qui revient? Man, wow! I was preaching so much better than you responded. J'ai prêché mieux que ce que vous avez répondu quand même. I was preaching so good. J'ai tellement bien prêché. And you have not even given me an applaud yet. Et vous m'avez encore même pas donné un applaudissement là. Man. Wow. Wow. Some of you saying you can't say that in Switzerland. Et vous dites mais en Suisse on fait pas ce genre de truc, that tu peux pas dire ça. American. C'était très américain ce que tu viens de faire là. I take whatever culture I want. I've already je choisis la culture que je veux, je vous ai déjà dit. I'm free. Je suis libre. Lift up your faces. Lève ton visage. Lift up your hands. Lève tes mains. When we go into worship now. On va aller dans la louange ensemble. The power of the Holy Spirit is going to come upon. La puissance du Saint-Esprit va venir. And limitations will fall. Et les limitations vont être chains brisées. Will fall to the ground. Les chaînes vont tomber au sol. Cotton threads will fall to the ground. Ces ficelles de coton vont tomber au sol. You will take the pole with you. Tu vas prendre le poteau avec toi. Drag it after you. Tu vas le faire traverser un village. You are an elephant. Tu es un éléphant. There is no limit. Il n'y a pas de limite. There is no lid. Il n'y a pas de couvercle. Now dream with God. Commence de rêver avec Dieu. Now lift up your head. Lève ton visage Close au ciel. Your eyes. Ferme tes yeux s'il te And plaît. Let the Holy Spirit come. Et laisse le Saint-Esprit venir. What no eye has seen, ce qu'aucun œil n'a no vu, ear has heard, ce qu'aucune oreille n'a entendu, what no mind has conceived, ce qu'une pensée n'a jamais conçu, these are the things he has prepared for c'est les choses qu'il a en réserve a pour church toi. Without walls, une église sans mur, fire and glory, du feu et une gloire, and no maximums. Et aucun maximum. Everything is possible. Tout est possible. You are going to make it in the marketplace. Tu le feras même dans les affaires. This is a prophetic word. C'est une prophétie. You will make it in the marketplace. Tu vas réussir dans the le monde des affaires. Say you will make le Saint-Esprit te dit tu le feras dans le commerce, dans you le monde des affaires. Tu vas le faire sur la place des affaires. Tout you est possible. Write that book. Tu écriras ce It livre. Will be a best-seller. Ce sera un best-seller. You will produce that music. Tu vas produire cette It will musique. Be heard by millions. Elle sera entendue par des millions. You will make that movie. Tu vas faire ce film. You will come up with that medicine. Tu vas arriver avec ce médicament. Are you hearing me? You Est-ce will que tu come m'entends up with that thing. Tu vas venir avec cette chose. That no one else has come up with. Avec les choses avec lesquelles personne n'est venu. Lift up your face. Lève ton visage. Close your eyes. Ferme the Holy tes yeux. Spirit fills this room. Le Saint-Esprit remplit ce lieu. Right now, I see Jesus hanging on the cross. Maintenant, je vois Jésus sur cette croix. Dreaming about you. Il rêve de toi. Bleeding, crying. Il saigne. Sweating in agony. Il pleure et puis il transpire en agonie. Il donne sa vie. So that you could reach your maximum. Pour que tu puisses So that atteindre you can ton maximum reach your potential. Pour que tu puisses atteindre ton potentiel pour que tu puisses être pardonné so de tes péchés pour que tu puisses être rempli du Saint-Esprit pour que tu puisses vivre so pour toujours pour que tu ne sois même plus limité par la mort pour que tu puisses continuer so de vivre après pour que tu n'aies plus peur de rien Jesus on that cross, Jésus sur cette croix dreaming for you, et il rêve de toi believing for you, il croit en toi sowing a seed, et il sème une semence and then rising up from the dead, et il se lève d'entre les morts looking at all of you today, et il vous regarde tous aujourd'hui believe in me, et il vous dit crois en moi parce que toutes choses sont possibles avec moi if there was no hope, s'il n'y avait plus d'espoir there's hope in your heart now. Il y a maintenant de l'espérance qui Look revient dans ton cœur upon Jesus. Regarde à Jésus now,
Levez vos visages, fermez vos yeux et regardez à Jésus. Regardez au Jésus ressuscité qui se tient devant cette croix vide, qui se tient devant toi. Et si tu n'as jamais fait une prière de salut, c'est ton moment. Tu peux dire: Jésus, pardonne mes péchés. Donne-moi de l'espérance dans mon cœur. Remplis-moi de ton Saint-Esprit. Je veux devenir un disciple. Je veux commencer une nouvelle vie fraîche. Maintenant. Et maintenant, tu vas briser toutes les limites de la peur, de la condamnation, de la honte. Et tu fais une décision d'adulte, indépendante, qui n'a rien à faire de ce que les autres pensent autour de toi. C'est ta décision devant Dieu. Et si tu veux commencer à croire en Jésus, dans sa mort et sa résurrection, si tu veux croire dans son sang et dans son pardon, c'est ton moment. Lève ton visage, ferme tes yeux. Je vais compter jusqu'à trois rapidement. Quand je suis à trois, tu vas lever ta main haut et tu lèves ta main droite comme un signe. Et tu dis: moi, je veux venir à Jésus. Moi, je veux demander pardon. Moi, je veux inviter le Saint-Esprit. Moi, je veux commencer une nouvelle vie. Moi, je veux être un disciple. Si tu n'as jamais fait ce genre de prière, aujourd'hui est ton jour. Si tu veux aussi redonner ta vie à Jésus, reconsacrer ta vie, c'est ton jour. Est-ce que tu es prêt? C'est un moment saint. Père, je prie pour tout homme et femme dans ce lieu. Je brise toutes les limitations maintenant. Tous les démons sont vaincus. La foi, elle vient. La joie, elle vient. La liberté, elle vient. Le futur s'en vient. Regarde à Jésus. Je compte jusqu'à trois. Tous ceux qui veulent se joindre à cette prière de salut ou de reconsécration ou demander pardon à Dieu, à trois, tu vas lever ta main. Un, deux, trois. Lève ta main. Un, deux, trois. Lève ta main. Lève là-haut que je puisse la voir. Je vais compter encore une fois. Il y aura plus de mains encore. Gardez vos mains levées. On va briser la limitation et la honte et la condamnation. Je vois trois mains en plus qui se sont levées. Je vois sept mains. Je sais qu'il y en a encore qui sont là. Je compte encore une fois. Un, deux, trois. Lève ta main. Wow. Tous ceux qui ont levé vos mains, gardez-la élevée. Gardez-la élevée là. N'ayez pas honte. Je vais vous demander maintenant, vous qui avez levé vos mains, de briser la honte, de briser la peur, de briser toutes les limites. Parce que tu es ce qui est de meilleur dans cette fête aujourd'hui. Et vous qui avez votre main levée, j'aimerais que vous sortiez de là où vous êtes et j'aimerais que vous veniez me dire bonjour. Venez me dire bonjour. Venez ici, venez me dire bonjour. Venez vers moi, j'aimerais que vous me rejoigniez là où je suis. Venez s'il vous plaît, venez vers moi. Salut grand homme, regarde ce grand homme. C'est bon de te voir. C'est tellement bon. Venez vers moi, venez me dire bonjour. Venez. Quel est ton nom? Venez seulement, venez seulement. C'est beau de te rencontrer. Reste avec moi ici, reste avec moi. C'est quoi ton nom? Floyd. J'aime ça. Hi. Margot. C'est tellement cool de te rencontrer. Hello, bro. Venez. Vous pouvez lever vos mains. Venez, venez. Venez seulement. I like that beard. J'aime cette barbe. You're looking super cool. T'as vraiment l'air trop cool. T'as vu, Pasteur Joseph, il a presque la même barbe que toi. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui aimerait se joindre à nous pour la prière? Qui avait levé sa main? Okay, we're going to do like this. Et on va faire la chose suivante. You that have been with me, you know the drill. Vous qui avez été avec moi, vous me connaissez. Turn to your neighbor. Tourne-toi vers ton voisin. You look at your neighbor. Regarde ton voisin. Say hey. Et dis-lui: hey, you need to walk up front, si tu as besoin d'aller devant, and you don't dare to by mais que yourself, tu n'as pas le courage d'y aller tout seul, we can do it together. On peut y aller ensemble.
right? OK? Do it together. Dites-le. And then you help someone to come. Aide quelqu'un à venir devant s'il veut cette prière. Il n'y a pas de honte dans une église. Ça n'existe pas. Is that another guy right there? Et il y a un nouveau gars qui est là. Did I greet you before? Est-ce que je t'ai dit bonjour avant? No, I didn't. Non, il me semblait. You. Et c'est génial de te rencontrer. Tu as été où toute ma vie? Good to see you. C'est bon de te voir. Is there someone else? Est-ce qu'il y a quelqu'un encore qui est là? Help them to come now. Venez avec eux, vous pouvez les accompagner si vous voulez. We have a birthday party. C'est une fête d'anniversaire aujourd'hui, n'est-ce pas? On célèbre les 10 ans. And when you celebrate 10 years, et quand on célèbre les 10 ans, you're gonna celebrate 1, 2, 3, on va 4, célébrer 5, 1, 2, 3, 6, 4, 5, 6, 8, 7, 8. 8. Are there some more? Est-ce qu'il n'y en a pas encore? I think we have 10 birthday kids in. Il n'y en a pas 10, tout par hasard? Are you hiding out there? Est-ce qu'il y en a qui se cachent encore? I prayed this morning. Let me pray with 10. Là, j'aimerais prier avec 10, ça me ferait plaisir. Une personne pour chaque année. 10 vies transformées. Si ton cœur y bat encore fort et que tu veux être avec nous, si tu te dis, je devrais être là devant moi. Je suis celui qui manque. Je suis celle dont il parle maintenant. Sors de là où tu es et viens nous rejoindre. Viens nous rejoindre. Juste avant qu'on prie. OK? Okay. Let's pray. Let's prions. Est-ce qu'on peut mettre nos mains devant nous comme si on allait recevoir quelque chose, hein? You show up. Wow. Elle est venue. Right. Mon numéro 9 est là. Huh? Catherine. Catherine. Number 9. Numéro 9. I will call her Miss Neuf. Je vais l'appeler Miss Neuf. Is there someone else? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre encore? Sometimes I'm too quick. Parfois, je vais un peu trop vite, je sais. Okay, lift up your hands like this. Mettez vos mains devant vous. Faites comme ça. Big guy, this is your moment. Grand homme, c'est ton moment. Lift up your hands. Mettez mains. Man, you're a giant. Mais tu es un géant. Lift up your hands like this. Mettez mains comme ça. Now lift up your faces. Levez vos visages. Close your eyes. Fermez vos yeux. In front of you. Devant vous. Resurrect Jesus. Il y a un Jésus ressuscité. No priest. Il n'y a pas de prêtre, no pastor, pas de pasteur, mais le Jésus ressuscité. Et j'aimerais que vous priez de toutes vos voix. Je vais vous aider à prier. So you will repeat a prayer, simplement I'm répéter cette prière et aussi toute and l'Église. We are going to help them to pray, all of us. Et toute l'Église va les aider, on va prier Can toute l'Église. Est-ce que vous allez prier avec nous aujourd'hui? À voix haute, like prions comme ça. Dear Father God, Père qui es aux cieux, everybody say, guys, what's the matter with you? C'est quoi le problème, les amis? You're like whispering like there's a glacier in between us. Vous chuchotez comme s'il y avait un glacier entre nous. Feels like there's a Swiss glacier in between. On dirait qu'il y a un glacier suisse entre nous. Can you yodel? Est-ce que vous savez yodeler? Can you shout loud now? Est-ce que vous savez crier? Come on, shout loud. Est-ce que vous savez faire ça? All right. So lift up your hands. Levez vos mains. And now look to Jesus. Regardez à Jésus. Look to Jesus. Regardez à Jésus. Look to that resurrected. Regardez Jesus. À ce Jésus ressuscité. Look to his nail marks. Regardez à ses marques dans his les mains. Beautiful face. À son beau visage. His precious eyes. Ses yeux précieux. And now say. Et dit. I believe in you, Jesus. Je crois en toi, Jésus. I believe in your death. Je crois dans ta mort. I believe in your blood. Je crois en ton sang. Wash me today. Lave-moi aujourd'hui. Forgive me. Pardonne-moi. I invite your Holy Spirit. J'invite ton Saint-Esprit. I want to start a brand new life. Je veux commencer une nouvelle vie. Fill my life today. Remplis ma vie aujourd'hui. With your Holy Spirit. Avec ton Saint-Esprit. Break my limitations. Brise toutes mes limites. Give me eternal life. Donne-moi la vie éternelle. Break the fear in my life. Brise la peur dans ma vie. And shame and guilt. Et la honte et la condamnation. I believe in you. Je crois en toi. I am your disciple from today. Je suis ton disciple dès à présent. You are my
savior. Tu es mon sauveur. Now put your hands in your chest. Mets ta main sur ta poitrine. And lift up your faces. Élève ton visage. And with your own words now, et avec tes propres mots maintenant, you start to whisper to Jesus. Commence de murmurer une prière à Jésus. Talk to Jesus. Parle-lui. Talk to Jesus. Parle-lui. Whisper to Jesus. Murmure à Jésus. Do it in your mother tongue. Dans ta langue maternelle. Do it the way you're comfortable to. Avec ta langue la plus confortable. But I want all of you to whisper to Jesus. Mais j'aimerais que vous parliez, que vous murmuriez, chuchotiez à Jésus. And whisper to Jesus. Fermez vos yeux et murmurez avec Jésus. Parlez avec lui. Right now, parce que maintenant, your sins are washed away. Vos péchés sont pardonnés. The Holy Spirit moves into you. Le Saint-Esprit vient and en vous. A brand new disciple et vous êtes des nouveaux disciples de Jésus-Christ. Everything changes in your life. Tout change dans votre vie. Say thank you, Jesus. Dites merci, Jésus. Here I am, Jesus. Je suis ici, I Jésus. Love you. Je t'aime. Thank you for receiving me. Merci de m'avoir accueilli. Forgiving me. Pardonner, declaring me righteous. De m'en déclarer juste. Talk to him right now. Parle-lui. Open up your mouth. Ouvre ta bouche. And talk to him. Et parle-lui. Open up your mouth. Talk commence to de lui parler. Commence whisper de parler avec him. Jésus. Hein? Yeah. Tout ce qui te vient dans le cœur. Magnifique. Everyone in here, lift up your hands now. Ici, tout le monde, levez vos mains. Before I give the mic away, avant que je termine, here is my declaration over all of you. Voici ma déclaration sur chacun d'entre don't vous. Let anyone limit you. Ne laisse personne te limiter. You hear me? Tu m'entends? Hear me now? Tu m'entends maintenant? I told my 20-year-old daughter this a month ago. J'ai dit il y a un mois à ma fille de 21 ans. I don't want to hear another word. Je ne veux plus entendre un autre mot. She was talking about a thing where she felt limited. Elle parlait d'une chose dans laquelle elle se sentait limitée. And I stomped my foot. J'ai tapé du pied. And I said, you are my daughter. J'ai dit, tu es ma fille. You're going all the way. Tu vas parcourir ce chemin. No limit here. Il n'y a pas de limite ici. And I say the same to you today. Et je te dis la même chose à toi aujourd'hui. No devil is lying to you. Aucun démon ne te mentira plus. No background is lying to you. Aucun passé ne te no mentira. Culture is holding aucune culture ne te no retient. Traditions is holding aucune tradition you. Ne te retient. No mindset is holding aucune you. Pensée, schéma you're de pensée ne te retient. Tu vas parcourir God tout le awesome chemin. Plan for your Dieu a des plans extraordinaires in pour Jesus toi. Name. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Can we give those nine that are up here one big est-ce qu'on peut, à ces neuf personnes, juste les applaudir et puis les féliciter aujourd'hui? Joyeux anniversaire. Yes, mais ce qu'on peut faire, c'est que on peut vous remettre une Bible. Est-ce qu'on va sur le côté maintenant ou est-ce qu'on le fait à la fin? On aimerait vous remettre une Bible, on aimerait vous encourager là-bas. Il y a des gens qui vont prier pour vous. Sur ma droite, là-bas, n'hésitez pas à y aller. On aimerait juste vous encourager, vous donner une Bible pour la suite. Alors qu'on continue, qu'on va terminer ici. Hein? On a envie que ce soit un jour spécial. Viens vers moi. Bien. Father, in the name of Jesus, Père, au nom de Jésus, touch his back, touche son corps, touch his body, son corps, make a miracle in his life, faire un miracle dans sa vie, let him receive it as a package, qu'il puisse les recevoir, qu'il puisse recevoir comme un package, out of here, qu'il puisse danser en sortant d'ici, restored, complètement restauré et guéri, in his life, et guéri dans sa vie, in Jesus name. Au nom de Jésus. Amen. 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 Join the party, bro. Tu peux aller vers les autres join là-bas, the party. D'accord? Hein? Join the party over tu peux aller là-bas vers join les the party hein? Over there. Okay. Wow! 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 Let me say something about that building.